Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, lundi le 22 juin 2015. Donc je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées par mes différents produits et services, vous pouvez toujours aller voir sur mon site internet www.chantalleduc.ca pour aller voir mes formations, les livres que j'ai écrits, les différents services, coaching, lecture d'âme que je donne, soins énergétiques, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on me dit en énergie, c'est que premièrement, il y a une nouvelle vague d'énergie qui arrive dans votre vie depuis un certain temps. Il y a une coupure qui a été faite pour que vous soyez plus tranché au niveau d'avancer sur votre chemin de vie en écoutant la voix du cœur, votre âme. Vous êtes beaucoup plus en alignement avec votre mission de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Donc, vous écoutez de plus en plus. La partie divine au lieu d'écouter l'ego, le mental. Donc, vous êtes beaucoup plus dans la partie divine, c'est excellent. Ce qu'on me dit là, c'est que, bon, il y a un équilibre qui se fait au niveau des énergies féminin, masculin pour que vous puissiez exprimer votre essence, l'amour, votre âme. Et on vous demande de vraiment suivre le flot. Qu'est-ce que l'énergie vous apporte? C'est toujours bon. Ce que l'énergie vous guide, votre âme vous dit de faire, c'est votre vérité infuse. Et on vous demande de suivre ça dans le moment présent. Donc, arrêtez de résister. Méditez, priez, faites du yoga, n'importe quelle activité qui va vous permettre vraiment d'être en alignement avec cette partie divine-là de vous. Qui est vraiment la bonne direction à suivre. C'est sûr que là, il va y avoir une période encore où vous allez, pour certains, vous sentir triste, pour d'autres, vous allez vous isoler. Il y a des choses négatives qui vont être là. Vous allez vraiment lâcher prise, puis là, le succès et l'abondance vont être encore plus vraiment plus abondants dans votre vie. Il va en avoir encore plus parce que là, il y a des choses passées qui vont être, je dirais, effacées, transformées, qui étaient peut-être moins positifs et constructifs pour vous. Puis là, ben, oups, il y a de l'énergie plus positive et constructive qui va rentrer, qui va favoriser le succès. Donc, vraiment, croyez que vous êtes capable de réussir. Voyez, sentez ces choses-là dans le futur, déjà dans le moment présent. Tout en vivant votre moment présent, sachez que vous êtes déjà dans cette abondance-là et vous allez atteindre ça dans votre vie. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix et de joie dans votre cœur aujourd'hui. Un excellent lundi, une bonne semaine. Donc, on se revoit demain. Merci.